Donc on est parti de Arctic Bay hier matin, on a navigué toute la journée en remontée à Admiralty Inlet, et puis on a rencontré cette nuit des accumulations de jeunes glaces qui s'étaient formées. Ben, pendant toute la semaine, on a eu des températures négatives, bien négatives, quoi, proches de moins 7, entre moins 5 et moins 7. Donc toute cette jeune glace s'était accumulée dans Lancaster Sound, et avec le vent, elle est venue se bloquer à l'entrée d'Admiralty Inlet. Donc il a fallu qu'on traverse ça pendant la nuit. Bon, du coup, on a attendu que le jour se lève. Et puis voilà, maintenant on navigue là à la voile dans Lancaster Sound, ce qui est assez agréable. Et donc on va emprunter un nouveau bras de mer entre l'île de Bylot et puis la terre de Baffin, qui nous mène à notre prochaine escale, qui est Pont d'Inlet. Voilà, qui se trouve dans un fjord, tu n'as pas d'inquiétude quant à l'emplacement de Pont d'Inlet, de l'Inlet justement. Mais non, pour plusieurs raisons, parce que l'eau de mer est plus chaude, quelques dixièmes de degrés de plus, mais c'est ça qui fait toute la différence. Et puis pour l'instant, sur les cartes de glace, il n'y a pas de glace, donc ça c'est plutôt bon signe. Non, donc voilà, c'est pas du tout la même configuration. On va redescendre vers le sud pour aller à Pont d'Inlet. L'eau de mer est plus chaude, il n'y a pas encore de glace, donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour l'instant. On y sera dans. Il faut qu'on y soit dans 2 jours.